Tout simplement. Ont besoin d'entretien. Faites-moi signe. Non, non, ils ont pas besoin d'entretien, ils ont besoin d'être améliorés. Sakai 4. Plus affûté que jamais. Merci. Votre lame nous protégera tous. Maintenant, je suis paré pour toute une série. Ah, de quête annexe. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. De qui parlez-vous? Les envahisseurs ont pris ma maison. Sur la route, ma famille est avec mon fils. Vous avez abandonné votre famille? Je n'avais pas le choix. Je ne suis pas un guerrier. Je vais les aider. Je reviens. Oh, oh. Un endroit à soi. Oui, attends. Affrontez-moi. On a compris. Viens, genou. Non, l'affaire est réglée, ça y est. Ah ouais. Ah bah dites donc. Des Mongols. Ah non, il en reste encore. Bonjour. Confrontation ou pas? Ah non. Oula, le gros. Oui, il est gros, lui. Oui, il est gros. Ouais. Ah. Ouais, mais t'es lent. T'es gros et t'es lent. Allez. Comment ça, dojo? Il est où le dojo? L'homme va parler de sa femme et de son fils. Allez, belle cette attaque quand même. Quand on l'a réussi. Ah, ils commencent à tous lâcher des provisions maintenant. Je ne les vois nulle part. Peut-être dehors. Attends, t'as à peine recherché. Attends, t'as à peine. Ah! Déjà. Non, attends. Dojo. Dojo, tu ramasses ce qu'il y a. Merci. Voilà. Non, Dojo, tu vas voir l'autre pièce, s'il te plaît. Gino. Merci. Eh. Voilà. T'as failli passer à côté des provisions. Du linge, encore humide. L'attaque a été soudaine. Oui, et... Là, il y a du sang. Du sang. Quelqu'un a été tué ici. Il y a une grande quantité, hein. Les corps ont été traînés. Puis jeté à l'eau. Un jouet d'enfant. Oh, sa merde. Famille n'a pas survécu. Je dois aller lui dire. Ça, c'est moche, ça.
Par contre, indépendamment du drame, la vue est magnifique. Mais c'est terrible. Bon, vieux, je suis désolé. Alors, il n'y a pas de bonne façon de te l'annoncer. Hein. Non, ils sont morts. Votre famille a été tuée. Je suis désolé. Pourquoi ne pas les avoir sauvés? Bah, t'es gentil, toi, tu t'es barré en les laissant là. Voilà, s'il te plaît. Exactement. J'aurais dû mourir, moi aussi. Il ne faut pas se sentir coupable. Un peu quand même, Gino. Que leur mort ne soit pas vaine. Résistez à l'envahisseur. Aidez où vous le pouvez. Prions ensemble. Oui, monseigneur. Alléluia, pas alléluia, t'es le mangerai. Ça, ça sent le sanctuaire encore. Ah oui, sanctuaire de la fleur de prunier. Ah, le petit Zozio, attends, il nous emmène quelque part. Attends, Zozio. Je viens avec toi. Olé. Oh, oh Gino, c'est l'heure du bain. Oh, un poil Gino, un poil Gino, un poil. Réflexion sur... On a le choix entre un rêve érotique sur Yuna ou un rêve érotique sur Kotunka. Ardour, couillère. je serais curieux de savoir ce qu'il pense de Kotun Khan quand même. Je trancherai la tête de ce satané mongol, ou alors je le noierai. Non, je le brûlerai vif, comme il a brûlé le seigneur Adachi. Ben alors, s'il veut le brûler vivant, nous verrons ça à la fin du jeu. Nous n'y sommes pas. Nabo, en avant. C'est bien par là que ça se passe. Allez, oula, oulala, oulala, oulala. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. On était à deux doigts du cheval suicidaire. C'est reparti pour un tour. On a eu le cheval suicidaire. C'est si paisible ici. Quel est cet endroit? Bonjour, Konnichiwa. Konnichiwa. Je vous ai pris pour le seigneur Jinroku. Non. Vous êtes un autre samouraï. Oui, c'est Jin, bienvenue, mais Sakai. Monseigneur. Un autre samouraï? Vous ne connaissez pas le seigneur Jinroku? Roku Sifredi? C'est un samouraï légendaire. J'aimerais le rencontrer. Quand reviendra-t-il? Bientôt. Joignez-vous à nous pour le dîner. Il vous racontera un de ses prodigieux exploits. Ah oui, ça m'intéresse, tiens. Par-delà l'honneur. Ah, je rentre d'une mission périlleuse. Ne vous inquiétez pas, je suis indemne. Ah, je n'attendais pas de visiteurs, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. J'ignorais qu'un autre samouraï avait survécu. Ce fut une bataille terrible, n'est-ce pas?
Ce jour-là, les plages de Komatsu ont viré rouge sang. Quelle horreur. Nous nous sommes battus à Komoda. Ah, oui, bien sûr. Pardonnez-moi, mon voyage m'a épuisé. Si cela vous convient, un abbé va vous montrer le bain. Nous discuterons en dînant. Veuillez me suivre, monseigneur. Je te suis. Ah non, c'est pas par là-bas, j'ai l'impression. Mais par où qu'elle est sortie, cocotte, là ? Et je l'ai pas vu, je l'ai pas vu sortir, la, la gonzesse, elle est où ? Au secours, je suis tout seul. C'est bien le seigneur Jinroku ? Ah, il est là. Il nous raconte absolument tout. S'il n'avait pas été là, toute l'île aurait été perdue. Quand vous l'avez rencontré, était-il armé ? Il a tout donné pour sauver Tsushima, à l'exception de son cheval. Il est à l'écurie. Mon bain attendra. Je souhaite voir son cheval. Ouais, je connais les chevaux de samouraï. Qui sont les écuries ? Ah bah c'est là-bas. Là. Un cheval de ferme, pas un cheval de guerre. Clairement. Ah, j'ai pas fini. Ah, pardon. Jinroku ne lâche pas l'affaire. C'est là que ça se passe. Équipement standard. Rien qui ne sorte de l'ordinaire. Je reconnais cette selle. Elle appartenait au seigneur Higuchi. Jinroku n'est pas un samouraï. Je lui ferai avouer la vérité. Mais t'es pas perspicace, mon Jinou. Ça s'est vu au premier coup d'œil. Alors, là, je vous propose une entrée à la Jinou Sakai. Viens ici, imposteur. Il est parti peu après votre départ. J'imagine que... Je le trouverai. Tracon. Alors moi je veux bien qu'on le traque, mais on le traque où ? J'ai vu du bambou. Moi, je vais vers le bambou. Bon, à mon avis, il faut suivre le chemin. Allons-y. Suivons le chemin bêtement. Nous devons parler. Ah putain, c'était pas bien indiqué là, quand même. Hein. Pas la peine de courir, imbécile. Arrête ! Il n'est jamais trop tard. Je veux pas vous tuer! Arrêtez! Je ne faisais pas la personne! Je vous défie en duel! Vous voulez m'affronter? Oui, c'est ma seule chance. Si c'est ce que vous voulez, j'accepte. Il faut trouver la voie, tu vas mourir! Duel à l'onsen de Kashin. Oh, cette mise en scène.
Sauf qu'il est nul, c'est pas un samouraï le mec. Ding. Attendez, je ne veux pas mourir, je me rends, je suis désolé. Dites-moi qui vous êtes vraiment. Je ne suis personne, j'essayais juste de survivre. Vous usurpez l'identité d'un samouraï et vous bafouez son nom. Et vous abusez de la confiance de ces femmes. Je sais, je vous en supplie, mon seigneur, épargnez-moi, je n'y remettrai jamais les pieds. Partez. Et si je vous revois un jour avec cette armure, nous irons au bout de notre duel. Je ne faisais de mal à personne. Ah, imbécile. Je dois la vérité à ces femmes. Ça, c'est bien vrai, Mojinu. Fais-toi dorloter. Ça, c'est quand même bien pratique. Hein. Bon, du coup, pardon pour les portes. Hein. Je suis les... Ouais, il y a un peu de vent, je sais, mais... Seigneur Sakai, ravi de vous revoir. Et toi, tu vois moins l'être. Jinroku n'est pas l'homme que vous croyez. Il n'a rien d'un samouraï. Ah, il vous a dit la vérité. Vous saviez qu'il mentait? Il n'était pas méchant, et sa compagnie nous était agréable. J'espère que vous ne l'avez pas tué. Il est vivant. Mais il ne reviendra pas. Je dirai aux autres qu'il a dû partir en mission. On s'en sortait bien sans lui. Et ça continuera ainsi. Point de technique aquí. Oh, charme de furtivité. Pour un combattant à l'ours. Attention. Oh, les mecs, comment ils volent ! Pourquoi tu t'en prends à moi? Il y a un ours là-bas, crétin! Bon ben merci d'avoir tué l'ours pour moi. Oh, petit Zozio! La petite Zozio, elle m'a dit où aller! Qu'est-ce donc que cet endroit? Merci, petit Zozio, de m'avoir mené à destination. Est-ce que tout va bien? Que diriez-vous d'une bonne tasse de thé? De thé? De thé? Je ne suis pas dans la célèbre brasserie de Sakeki d'Azamo. Je vous en prie, par ici. La valeur du saké. Et pour remplacer avec le bruit de mobilette derrière, on la refait. La valeur du saké. Bah, me referme pas la porte au nez, coquette! Pardonnez-moi, monseigneur, je pouvais pas vous parler librement. Ah bon? Les Mongols auraient pu nous entendre. Les Mongols? Les Mongols sont venus ici. Ils vident nos réserves de saké. Au moins, ils ont du goût. Le saké qui fait la fierté de Tsushima. Rien à voir avec la pisse de cheval dont ils s'abreuvent. C'est du lait de jument, je crois.
Quelle différence ! Quand vont-ils revenir ? Bientôt. Vous et vos gens, cachez-vous. Je me charge des Mongols. Allez, chargeons-nous des Mongols. Je dois trouver où tendre mon embuscade. Écoutez-moi, c'est important. Nous devons nous réfugier derrière la brasserie et rester hors de vue. Notre ami va renégocier les termes de notre relation avec les Mongols. Oui, je vais renégocier ça. Et bien crois-moi, mon Ginou, en termes de renégociation... En termes de négociation tout court, s'inquiète pas, les négociations, elles sont hard avec lui. Hein. Ça, il laisse rien passer, mon Ginou. Non, non, non. Ya, dur. Venez vous battre! Oui, venez vous battre maintenant! Bonsaï! Voilà d'autres. Renégociation bien engagée. Meurs, chien de Mongol. Négociation terminée. Ah non, pas encore. Une parole parfaite, ça c'est bien. Oh, ah oui. Ah, je t'ai pas vu venir, toi. Aïe, mais ça fait deux fois là-haut. Ça suffit, le gros. Ah oui, au moment de sauter, assez bien joué ça. Ok, il y en a d'autres encore, oui. Bon, il semblerait que cette fois-ci, l'accord soit renégocié dans de bien meilleurs termes. Merci, monseigneur. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir de pouvoir aider. Surtout quand on peut massacrer du Mongol gratos. Allez. Les Mongols reviendront chercher leurs soldats disparus. Si vous restiez, vous pourriez boire du saké à volonté. La maison vous l'offre avec plaisir. Vous allez devoir fuir, je le crains. Rendez-vous au Temple d'Or à Ariake. Beaucoup déjà y ont trouvé refuge. Je vous remercie, monseigneur.
jeu. Monseigneur, êtes-vous venu aider la Ligue d'Azamo, vous aussi ? Jamais entendu parler. Des fermiers et des pêcheurs jamais. Réunis pour combattre les Mongols. Je suis venu d'Ariake pour les entraîner. Leur courage est admirable. Comment se passe l'entraînement ? Nous étions censés nous rejoindre ici il y a des heures. J'allais partir à leur rencontre. Je vous accompagne. Pour Tsushima. Leurs chefs sont installés dans une ferme voisine. Ils sauront où trouver le gros des forces. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir un samouraï. Aujourd'hui, j'en ai un à mes côtés. Mais vous savez vous battre et monter à cheval. Mon village était sans cesse attaqué par des pirates sur la côte. J'étais jeune quand ils ont tué mes parents. J'ai appris à me défendre toute seule. J'espère que mes compétences durement acquises pourront profiter aux gens d'ici. Vous n'êtes pas si différente. Un incendie devant nous. C'est la ferme ! Oh, la ferme ! Oh, les Mongols ! Anéantissons-les ! Elle a anticipé une flèche de son pote. Bon, par contre, c'est tout qui crame, hein. Oh merde. Meurs, chien de mon vol. Ce sont les hommes que je devais retrouver. Merde, je suis désolé. Si les Mongols les ont trouvés, ils ont pu trouver les autres aussi. J'aurais dû venir plus tôt. Nous pouvons encore les prévenir. Vous entendez ? Ils ont peut-être trouvé des résistants. Nous devons les aider. Vite, monseigneur ! Hé ! Naboo, t'es où ? Allez, elle est terminée, hein, cocotte, hein ? Ça rigole pas ! Et tu pourrais m'attendre ? Yo, éteins-moi ! C'est trop tard. Ah oui, il y a tout qui... Putain, c'est des sacrés feux de joie, hein. On ne peut pas sauver tout le monde. Ah non. Dans ce cas, je vengerai les morts. Un samouraï garde la tête froide avant un combat. Hé hey. Non mais... Mais qu'est-ce qu'on vient de te dire? Oh là 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 là. T'es cruche, hein. Payez pour vos crimes, parasites. Ah mais là, il y a un peu trop de monde, là, hein. Ok. Dojo de rien du tout, t'es mort. Aïe. Ah oui, là. Allez, le chef, t'es mort. Non, mais... Allez, viens.
parade parfaite. Non, toi t'es ma copine, pardon. Putain, toi t'es mort. Non, t'es mort. Non, mais... C'est bon. Je suis pas mécontent de moi, là. Petite alternance avec l'arc. Petite parade parfaite. Ah, non. Ah, t'peux être content, mon Ginou. C'est un beau combat. On a réussi. Ouais, enfin bon... risqué. Vous êtes doué, mais votre témérité a failli vous faire tuer. Ne haïssez-vous pas les Mongols ? L'arme la plus importante du samouraï, c'est lui-même. Perdre le contrôle, c'est risquer d'échouer. Je vois. Je vais rentrer chez moi et apprendre à maîtriser mes émotions. N'abandonnez pas. Nous avons besoin de gens comme vous. Mais n'oubliez pas la leçon. Oui, monseigneur. Tu es un bon cheval, Nobu. Nobu, plus vite! Oh là, que se passe-t-il, noble dame? Ne pleure plus. Ginou est là. Sakai-san est à ton service. Que s'est-il passé? Des bandits, monseigneur. Ils ont volé ma nourriture. Absolument tout. Par où sont-ils partis? Au nord-est, dans la forêt. Si je les trouve, je leur ferai regretter leurs méfaits. Ne leur faites pas de mal. Ils sont tout aussi désespérés que moi. Je ne vous promets rien. Panier vide. Allons-y, Nobu. Allons-y. Allons les débusquer et leur apprendre la vie. Oh oui, confrontation ! Venez donc, bande de pillards. Non mais... Baissez-vous! À terre! Baissez-vous! Bon, maintenant qu'on a nettoyé le camp... Mais
c'est qu'ils sont bien installés, les malandrins. Du riz. Il s'agit sûrement de leur butin. Et genre, il n'y a pas une loot box dans leur camp improvisé, là? C'est genre un coffre de chef, un truc comme ça, non? Non. Non, 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 non. Il n'y a rien du tout. Nabo! Attends, Nabo. Si, c'est bon. Allons-y. Accélère, Nobu! Rapportons le riz à la femme. Ah, c'est qu'ils étaient vraiment établis juste à côté du camp en plus, hein. Seigneur, vous êtes de retour. Avec le riz. J'ai votre nourriture. Du riz? Voilà une éternité que je n'en avais pas eu. Vous m'avez dit qu'il vous l'avait volé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Vous m'avez menti. En ces temps difficiles, ces bandits ne sont pas dignes de cette nourriture. Et puis, je vous ai demandé de ne pas leur faire de mal. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Oh, je suis désolée. Vous n'auriez pas dû me mentir. Ah, grave. Je vous aurais aidé malgré tout. Je ne recommencerai pas. Je vous le jure. T'as plutôt intérêt.